Il y a deux formes de calaasar, de leishmaniose viscérale. La première, commune aux chiens et à l'homme, est causée par le parasite Leishmania infantum. On la trouve autour du bassin méditerranéen, au Moyen-Orient et au Brésil. La deuxième forme, causée par le parasite Leishmania donovani, sévit en Asie et en Afrique. Que ce soit l'une ou l'autre, le parasite s'y prend de la même manière pour contaminer l'organisme. Il se sert d'un intermédiaire, son vecteur, une minuscule mouche suceuse de sang de quelques millimètres, le phlébotome. Quand il pique une personne déjà infectée, le phlébotome ingère le sang humain chargé de parasites. Quand il pique à nouveau, le phlébotome les transmet à sa nouvelle victime. À l'intérieur du corps humain, les cellules du système immunitaire chargées de détruire les agents pathogènes, les macrophages, phagocytent le parasite. Si le système immunitaire parvient à combattre l'infection, la victime sera immunisée contre toute nouvelle attaque. En cas de défaillance, la victime tombe rapidement et gravement malade. À l'intérieur des macrophages, le parasite a changé de forme, s'est multiplié, puis a envahi tous les organes avec une préférence pour la rate et le foie. Les malades présentent comme premier symptôme fièvre, anémie et gonflement de la rate et du foie. Sans traitement, les malades meurent. En Asie, on appelle la maladie le mal noir à cause d'un symptôme fréquent, le noircissement de la peau. La leishmaniose affaiblit le système immunitaire. Les malades contractent souvent d'autres maladies dites opportunistes, comme la tuberculose, le paludisme ou la dysenterie. La leishmaniose est elle-même une maladie opportuniste. Une personne atteinte du VIH est plus vulnérable face aux parasites qui prolifèrent dans son organisme. Lorsque le phlébotome pique un malade co-infecté, encore plus de parasites sont aspirés par l'insecte, qui les disséminera lors des nouvelles piqûres. Ces malades co-infectés constituent un réservoir important pour la transmission du calaasar.